C'est pas des photos, un truc comme ça, tu dois prendre. Raconte. Viens d'en apprendre une bien bonne. Ce détraqué de Spider-Man a encore frappé. Et cette fois, il est impliqué dans un vol. Un vol de jouets enfants. Imaginez crime plus infâme. Eh bien, la réponse est oui, fidèles auditeurs. Et devinez ce qu'on a retrouvé parmi les jouets volés? Des figurines de Spider-Man. Alors non seulement ils volent les enfants, mais en plus, il les force à jouer avec des jouets complètement nuls. Tout fait, je jure. En réaction, l'équipe d'État de Fait va donc se lancer. Essayez bien le chercher, parce que là, je vois vraiment pas. J'ai à moi, j'ai Jonah Jameson. Ha! J'ai justement un prototype sous les yeux. Laissez-moi vous dire que c'est véritablement une petite merveille. Hein. Oh, regardez-moi cette merveille. N'importe quel enfant, ou adulte, hein, je ne juge pas. Ce respect serait chanceux de pouvoir manipuler ce petit bijou. En fait, Jared commandez en 10 pour moi et 10 pour ma femme. Et un pour vous. Je le déduirai de votre paye. De rien. L'Underground a piraté un panneau publicitaire pour afficher leur logo. Tu devrais aller voir. Oh, pour l'instant, j'ai ça à faire. T'as qu'à te déplacer, gros porc.
Une vente d'armes est en cours, pas loin. Merci, cher utilisateur anonyme. Faut voir si le symbole y est toujours. Celui-ci, j'ai trouvé où est-ce qu'il est. Ouais, mais il est bien planqué. Hein, par contre. Ah, t'as, t'es où toi? Chers auditeurs, j'ai enfin la preuve scientifique. Spider-Man n'est rien qu'une aberration de la nature. C'était vers là, voilà. Je vous explique. Un récent incident impliquant une grue et une minuscule glace s'est transformé en Spider-Bavure quand la menace masquée a décidé d'intervenir. Résultat, un désastre comme cette ville n'en a jamais connu. On ne connaît pas encore le nombre de morts, mais je peux vous assurer que... Quoi ? Ah, on me dit qu'il n'y a pas de morts. Heureusement ! Je crois que je vais être obligé de faire ça pour ouvrir la porte. Les services d'urgence ne devraient pas tarder à nous communiquer les chiffres. Et... Hein ? C'est vrai ? Ah. Bon, on me dit maintenant qu'il n'y a pas de blessés non plus. Cependant, ça ne change rien au fait que cette tragédie aurait pu être évitée si Spider-Man avait laissé les choses suivre leur cours. Jared ! Jared ! Trouvez d'autres contrôleurs d'information ! Je sais que c'est votre locataire, c'est pas grave ! Envoyez-moi celui avec le bonnet, là ! Bon. Je crois que j'ai pas avoir le choix. On va essayer de faire ça. On va voir.
bruit. D'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. En fait, ouais, t'es obligé de faire une mission, ce que t'as pas pu faire, ok. Et bon, on va aller à celui-là. Spider-Man, lâchez pas l'affaire. Ça, c'est des vaccins. De la pause. Okay, now. On avant.
Que dalle. Hé hey, j'aurais besoin d'un coup de main. Il est là. On baisse pas notre garde. J'ai entendu un truc. C'était quoi ça? Viens me battre si t'es un homme. Faites chauffer mon flingue. Où il est? Est-ce que quelqu'un le voit? Hé, j'ai entendu un truc. Vas-y, approche-toi. Faites attention! Quelqu'un s'en prend à nous! Steph, t'es là? Allez voir si elle va bien. Entendu, j'y vais. J'ai entendu un truc. Vite! On peut lancer en bas! Ils ont toujours des renforts et pas moi. J'ai vu un truc bouger! Si je le trouve, il est mort! Je me suis fait avoir. Mais j'ai pris le truc sur la tête, d'ailleurs. Ça, c'est... T'as récupéré cette info sur Roxanne? Taina,
passons par là. Alors. On a signalé qu'un civil se faisait agresser dans ta zone. Ah ouais, putain, il était bien planqué, hein. Ok. Alors, je crois qu'il doit en manquer combien? Thank you.